Je vais la chercher. Elle allait au manoir avec Cash. Je passe par les catacombes. Désolé, patron. Ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Oh, pardon! J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois que je m'approprierai une île. Hey, je voulais pas... J'accepte les critiques, hein? Je ne suis pas parfait, enfin! En y réfléchissant, je suis presque parfait. Pas vrai? Où en étais-je? Ah, oui! Tu me critiques. Vermine, qui n'est libre que parce que j'ai fait ouvrir sa cellule. C'est une chose que je ne tolérerai pas! Allô? À toutes les unités! À toutes les unités! Tu t'as chopé! Croque, vas-y! Croque, mon vieux, tu es là? Non, dommage.
Je me suis renseignée sur le Dr. Young. Ses relevés bancaires indiquent plusieurs paiements reçus depuis avril dernier jusqu'à il y a 2 mois. Puis, plus rien. Les paiements provenaient d'une société dirigée par un certain Jack White. Un des anciens surnoms du Joker. Il paie donc le Dr. Young pour créer son armée, et puis soudain, il l'arrête. Ça n'a aucun sens. C'est bizarre. Les virements sur le compte du Dr. Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. Cette zone n'est pas stable. Trop dangereux pour le grappin. Je vais devoir grimper à l'ancienne. J'ai piraté sa messagerie. 2 emails sortent du lot. D'abord une lettre de démission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième ? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Elle le supplie d'arrêter l'expérience, lui dit que c'est trop dangereux. Il ne l'écoute pas. Voyons, des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, oh, la photo d'un bébé mort et une menace. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher, qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Charmant. Et le dessin d'un âne. Pas étonnant qu'elle soit terrifiée. Je remonte à la surface. Ça trouverait.
Dieu merci! Je pensais que tu aurais trouvé ce bien plus vite.
patient enregistré numéro 2. Nom du patient, Willow Jones, alias Killer Croc. Est-ce que c'est la partie où tu essaies de me raisonner? Tu trouves pourquoi j'ai fait ça, Doc? Nous sommes là pour vous aider, Monsieur Jones. Alors, t'as un traitement pour moi, Doc? Tu peux me rendre normal? Normal est un mauvais choix de mots. Personne n'est vraiment normal, n'est-ce pas? Si tu le dis, alors qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Tu me laisses partir maintenant et je ne te mangerai pas. Vous ne mangez pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une légende urbaine. Tu crois? Continue à le croire, Doc. On dirait que les malfrats du Black Gate ont accès à l'arsenal.
Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se complique à partir. Ils m'amenèrent l'animal, fier de lui et aboyant comme un chien fou. Je dus supporter ses vantardises. Il prit plaisir à raconter ses méfaits, énumérant ses crimes de dégénéré. Ma vengeance se mua alors en pitié. Je devais venir en aide à ce pauvre chien. Mm-hmm.
pas de garder un œil sur tout rongeur volant durant votre service. J'ai entendu dire que la cise en était infestée. Eh bien, qui voilà ? Ouais, le vilain Batman. Allez, mon grand, viens nous chercher ! Ah, regarde-le, coincé là-bas. T'as pas un chat à aller descendre d'un arbre ? C'est ça. Continue ! Allez, on contrôle tout ! Le Joker va t'éliminer ! Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Il y en a toujours un. Je n'ai qu'à regarder autour de moi.
Toutefois, un bleu par-ci, ou une entaille par-là, je ne sais pas. Pas de garder un œil sur tout rongeur volant durant votre service. J'ai entendu dire que la cible en était infestée de temps en temps.
incroyable que Batman soit parti. Ouais, le lâche est parti en boitant la cape entre les jambes. S'il essaie de revenir, je m'en occupe. Il n'aura aucune chance. Ouais, moi aussi. Je lui arracherai la tête et je l'offrirai au Joker comme presse-papier. Toujours aussi lèche-pote. Ça veut dire quoi, ça? Tu m'as entendu. Hein? L'île changea peu au fil des années. Sa renommée était salie, mais je jurais d'y remédier. Au fil de sa reconstruction, je vis apparaître l'avenir, un brillant avenir. Ses notes avant le Joker. Allez, cherchez encore. C'est le Joker qui recouvre ses notes. Regardez partout. C'est une récompense. La dernière a coûté les formes de mon pote. Vous l'avez trouvé? C'est pas là!
Ça peut être n'importe où. On continue, faut les trouver. La ferme, continue de chercher. C'est Batman. C'est Batman. Viens à moi. Thank you.
Ces gens ont besoin de moi. Je sais pas, j'ai dit. Elle peut être n'importe où. Tu veux mourir, c'est ça? Hein? Je plaisante pas. T'es où? À quoi sert ce collier? Pourquoi il fait ce bruit? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman? Est-ce que tu t'amuses dans... dans l'aile ouest? Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Cash est à côté. On dirait qu'il se fait frapper. Vous devez l'aider. Je m'en occupe. Restez là. Je sais pas. On est très nombreux. Qui a fait ça? Batman, il est là! C'est sûrement lui. C'est peut-être Zaz. Ce type est dingue. Impossible. Il respire encore. Zaz ne laisse jamais ses proies en vie. Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que ça. À ce train-là... Tu ne me vaincras jamais. Où est-ce qu'il en est? Je sais pas. Le Joker révèle pas ses plans. Elle parlait. Elle savait peut-être qu'elle attendait. Peut-être. On dit qu'il a pris quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il aurait dû m'appeler. Elle aurait parlé. Ça aurait été marrant. Ouais. Briques, métal et peinture recouvrirent les blessures. Du sang nouveau fut injecté dans ce corps. De nouveaux esprits vinrent et jurèrent d'honorer nos promesses. Nous savions tous que nous guéririons cette ville et que celle-ci nous remercierait. Quelqu'un qui n'a pas réussi à résoudre les trois quarts de mes devinettes. Un Batman.